155 € à la place de 521 €. Est-ce que le calendrier Sephora Favorite, il vaut vraiment le coup? La boîte, elle est vraiment très très jolie. Et ça se présente comme ça. Je vais faire de la 1 à la 14. Dans la case numéro 1, regardez le produit qu'on a. C'est génial. Hein. C'est un toner au lait de la marque Bioma. On est sur une valeur de 15 € et c'est un full size. La case numéro 2, elle est vraiment petite. Ah, je suis choquée, c'est incroyable. C'est une palette de chez Tarte. Ça coûte 29 €. On passe à la case numéro 3, je suis choquée du produit qu'il y a à l'intérieur. 29,50 €. On passe à la numéro 4. Ok, c'est assez petit, mais le produit, il est vraiment pas mal. Hein. Comme quoi, c'est pas la taille qui fait tout, il est à 28 € et c'est un full size. La case numéro 5, c'est toujours un full size et c'est 16 €. La case numéro 6, incroyable, la couleur elle est magnifique. Ouvrez vos oreilles, ça vaut 42 € et on a déjà remboursé le calendrier alors qu'on est seulement à la case numéro 6. Ça veut dire tout le reste c'est de la gratuité. Hein. La case numéro 7, c'est parti, des petites pinces. La case numéro 8, je vais pas vous mentir, j'ai regardé vite, regardez, c'est trop trop bien. Ce produit là il rend les cheveux hyper brillants. La case numéro 9, un crayon à lèvres de chez Make Up Forever en full size. Mais attendez, moi je me suis trompée, je pensais qu'il y avait 14 cases, mais pas du tout, c'est 14 full size. Et là on a eu que des full size à part ce produit. La case numéro 10, j'ai l'impression que c'est une poudre parce que c'est hyper grand. Un produit du Rituals, trop trop bien. On passe à la case numéro 11, il y a tellement de cases. En fait, il y a 24 cases. Vous savez combien ça vaut ça? Ça vaut 30 €. En plus, c'est à la vanille, ils sont trop trop bons. La case numéro 12 pour finir. En fait, c'est le dupe des Drunk Elephants. Dites-moi si vous voulez qu'on ouvre le reste ensemble. Au revoir.